l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable armée, qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. Sûr que par sa magnifique résistance, elle a rempli nos devoirs vis-à-vis de nos alliés. Voilà, mes chers camarades, pourquoi nous devons être unis contre le communisme. Bonjour à tous les amis, c'est Serge le Chef, j'espère que vous allez bien, j'espère surtout que vous avez bien aimé ce petit trailer que vous venez de voir, cette sorte de petite bande-annonce du mod qui vient de sortir. C'est tout simplement mon premier mod sur Heart of Iron, il m'a pris énormément de temps à mettre au point, mais le voici la version finale. L'idée de ce mod, les amis, c'est de faire un scénario qui était pas proche de la réalité, mais qui restait cohérent avec un personnage complètement farfelu. Ce que je voulais, c'était tout simplement rendre la France plus forte, parce que voilà, dans Heart of Iron, la France, c'est vrai qu'elle capitule vite, le gouvernement désuni, on connaît, on perd vite. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas inventer un espèce de dictateur complètement farfelu qui se rapprocherait un peu d'Hitler, une sorte de rivalité, enfin, encore une fois, je glorifie rien du tout, attention, c'est pour le mod. Donc, je me suis dit, pourquoi pas créer le Hitler français, le Alphonse Hiller. Donc, les amis, après ce trailer, je me suis dit que j'allais tout simplement vous présenter le mod et vous en parler un petit peu, et je vais, à la fin de la vidéo, évidemment, vous montrer comment l'installer. C'est un mod qui est bien sûr gratuit pour profiter à toute la communauté et à tout le monde en général qui est sur le workshop Steam. Je vous montrerai comment l'installer juste avant la fin de la vidéo où il est en description pour ceux que ça intéresse. Donc attention les amis, c'est parti, on lance le mod. Donc là on a une image de la conférence de Munich, il y avait Hiller, je sais pas si vous l'avez vu. Si j'avais le talent de Sarge, forcément je vais vite mourir. Hiller. Et voilà le jeu me clash dès le départ parce qu'en gros j'ai modifié les textes, j'ai modifié la musique, j'ai modifié plein de choses. Ouais voilà, Hiller, ok, donc là ça charge, ok. Donc vous avez déjà une musique qui est complètement différente de d'habitude. Écoutez-moi ça.
Ok, let's go, on lance, nouvelle partie, 36. Donc voilà, France en crise, vous partez avec une France qui est déjà en crise, ça change pas grand chose. Je vais prendre la France, je vous conseille vraiment de jouer en historique les gars pour voir justement jusqu'où Hilaire serait allé en mode historique et si vous aurez pu l'arrêter en mode historique ou pas. Vous pouvez ne pas mettre en historique si vous voulez ou en Iron Man comme vous voulez, mais je vous conseille quand même l'historique pour plus de fun. Le but hein, c'est surtout aussi d'affronter la France, c'est pas tellement de la jouer, c'est surtout de l'affronter pour voir si vous arrivez à la battre. Du coup là je vais juste la prendre pour vous montrer un peu l'arbre de priorité et tout ça. Ok, cette douce musique française. Donc voilà, là je suis la France qui est en crise. Je vous le disais les gars, un arbre de priorité qui a été complètement modifié. Vous partez au début sur une sorte de crise économique qui vous fait des malus. Vous partez ensuite pour la fameuse guerre civile comme vous avez vu. Et en fait la guerre civile va vous emmener à faire des choix, on va dire, difficiles où vous allez devoir perdre des territoires pour la France. Midi-Pyrénées, Limousin, Basse-Pyrénées, Aquitaine, Loire, Normandie, Bretagne vont tomber aux mains des alliés tout simplement. Ils vont racheter les territoires français contre de l'or qui va servir à développer la France et surtout à faire venir Hilaire. Hilaire qui n'acceptera pas cette frustration d'avoir perdu des territoires avec la France. Vous voyez, il y a toute une petite histoire à suivre. Je voulais un truc qui reste cohérent, mais qui est bien sûr totalement fictif, hein, ne l'oubliez pas. Donc vous voyez, comme je vous le disais, la France perd des territoires, l'humiliation plutôt que la mort, on cède nos territoires, et là on a une France qui est martelée, ça fait mal au cœur. Et ça va faire naître, hein, bien sûr, ce que je disais, les extrémistes, notamment ce fameux Alphonse Hilaire qui va commencer à apparaître en France, tac tac tac. Il prendra le pouvoir, bon je vous spoil pas tout le mode, et voyez, il arrivera au pouvoir Alphonse Hilaire. C'est un dirigeant qui a ses propres traits, l'héritier de l'empereur et le nouveau Charlemagne, je vous laisse regarder ce que ça fait un petit peu. Le drapeau a été évidemment modifié sur une espèce de drapeau napoléonien français. C'est évidemment le parti fasciste hein, qui est en place, il a des bonus propres à lui, Hilaire, voilà. Et petit à petit, vous allez devoir enlever les malus de la France pour redevenir une France qui est très puissante. Courtiser l'électorat des femmes, voilà, vous pouvez donner le droit de vote des femmes, même s'il n'y a plus d'élection, c'est très fort. Concernant les descriptions, les gars, il y a des priorités qui n'ont pas de description. Les descriptions, elles passent parfois, voilà, là, elle y est, mais il y en a où elles ne passent tout simplement pas. Ah voilà, vous voyez là, on n'a pas eu de description, donc vous inquiétez pas, c'est juste le truc qui est un peu buggé du mode, c'est qu'il n'y a pas forcément des descriptions, voilà. Au niveau des musiques, les gars, je vous laisse découvrir un peu les musiques. Il y en a une dizaine qui ont été modifiées, je pense. Elles n'ont pas tous été modifiées. Voilà, donc il y a plein de diversité, encore une fois, à ce niveau-là. Et vous allez voir que c'est vraiment intéressant parce que petit à petit, avec les priorités, notre Alphonse Hilaire va vraiment, vraiment devenir très puissant. Franchement, si vous le laissez se développer, je pense qu'en 43, il aurait toute l'Europe s'il est bien scripté. Encore une fois, le bot a été fait hein, pour bien gérer ses priorités. Et ce qui est intéressant avec les priorités, c'est que ça va être très frustrant pour vous. Parce que Hilaire, il ne vous laisse pas le choix. Je pense notamment à la conférence de Rotterdam, où il y aura une conférence où le monde se réorganise en quelque sorte, et vous n'avez même pas votre mot à dire. C'est ça qui est chiant, c'est que Hilaire, il va se faire des alliés, il va vous piquer vos alliés, il va vous faire des coups dans le dos que vous ne voyez pas venir. Et c'est ça qui est intéressant, c'est parce que Hilaire est un personnage qui est rusé, un personnage qui est malin. Vous voyez, il est fasciste, Hitler est fasciste aussi, ils vont pas s'attaquer tout de suite, ils vont s'entendre en quelque sorte avant de se foutre sur la gueule. Donc vraiment, l'intelligence d'Hilaire a été faite en sorte qu'il y ait une sorte de logique dans ce qu'il fait, et donc il faudra vraiment se méfier parce qu'il va vous faire des coups bas. Par exemple, là vous voyez, hein, la Normandie est anglaise et Bordeaux est américain, mais il va tenter par des traités de reprendre tout ça, évidemment. Il va être vicieux, il arrive à être vicieux, donc il y a vraiment plein de priorités. Et le but c'était de vous faire des priorités qui soient assez longues pour que le jeu aille loin, le plus loin possible, voir si vous arrivez à l'arrêter, ou si vous allez le laisser avancer jusqu'à la guerre froide, donc on arrive carrément vers la guerre froide, voilà, où là il va commencer à partir en guerre contre les soviétiques, tout ça, donc vraiment, c'est très intéressant, et ça finit bien sûr par une petite guerre civile aux États-Unis si vous n'avez pas réussi à temps. Donc pour affronter Hilaire, je vous dirais de prendre le pays que vous voulez, que ce soit anglais, allemand, américain, vraiment tout se tente. Faites attention parce qu'il va annexer certains pays, il va vous piquer vos priorités des fois et vous faire des trucs que vous attendez pas. Mais c'est ça qui est vachement intéressant, donc vraiment je vous invite à défier Hilaire, vraiment à défier Hilaire parce qu'il pourrait être très puissant. Donc là, vous voyez, avec quelques priorités, ce que ça commence déjà à donner pour vous donner une image de l'alliance d'Hilaire qui deviendra bien sûr très puissante. Je vous spoil pas tous les alliés, je vous laisse découvrir le mode. Donc je vous invite vraiment à essayer le duel contre Hilaire. Si vous avez réussi, dites-le moi en commentaire. Si vous l'aimez, dites-moi en commentaire et je vais vous montrer tout de suite comment l'installer pour finir cette vidéo. Ok, donc là les gars, on est hors jeu. Pour l'installer, ça va marcher sur Steam. S'il y en a qui n'ont pas Earth of Iron sur Steam, marquez-le moi en commentaire et j'essaierai peut-être de trouver une solution si vous êtes nombreux. Sinon, vous allez juste aller dans Bibliothèque, moi c'est ce que je fais. HOI4, on descend, on ouvre le workshop. Moi c'est comme ça que je fais pour ouvrir le workshop, mais il y a peut-être d'autres manières je crois. Consulter le workshop. Ok, donc on arrive sur le workshop. Ok, vous tapez tout simplement, je l'ai nommé comme ça, hein, mais vous pouvez taper Hitler français, vous le trouvez normalement. Yes, il est là, Hitler français. Ou alors si vous tapez Alphonse Hilaire, normalement vous pouvez le trouver aussi, il me semble. Voilà, il est encore là, hop. Donc le mode est ici, vous avez juste à cliquer sur s'abonner pour qu'il télécharge le mode, c'est intéressant. Vous avez toute la description, voilà, lien de la chaîne et tout. N'hésitez pas à mettre la petite récompense. Non, je rigole. Ok. Donc,
Une fois que vous êtes abonné, vous lancez votre jeu sur Heart of Iron. C'est vraiment tout simple, hein, mais bon, je l'explique pour ceux qui ne sauraient quand même pas. Faites pas attention au bureau, il est un petit peu chargé. Vous allez dans tous les modes installés. Non, vous allez dans DLC, non, vous allez dans Playlist, oui. Vous cherchez, vous descendez, et là, il devrait apparaître Hitler français. Voilà, hop, vous avez juste à cocher, et là, votre mode sera lancé. Donc, Playlist Hitler français, voilà, hop, vous le cochez, et il sera activé en game. Voilà, vous pouvez mettre d'autres modes avec, il me semble, ça devrait pas trop être compliqué, normalement, je pense que ça pourrait passer. Mais peut-être pas trop le cumuler non plus, enfin, je sais pas, vous d'essayer. Mais bon, voilà, vous avez juste à le lancer, et là, normalement, c'est bon, jouez. Oh là là, ces images magnifiques, oh là, ces images magnifiques. Bon, pas toutes les citations sont modifiées, mais il y a quelques citations, les gars sont totalement connes, donc si vous les lisez, encore une fois, même les priorités sont bizarres. Voilà, Hitler qui serre la main, Hitler, voilà, ok. Et donc voilà, nouvelle partie. Hop, vous avez bien la France en crise, voilà les gars. Vous l'aurez bien compris les gars, l'idée c'était pas de faire un gameplay cette fois, mais c'était de vous laisser jouer dans cette vidéo tout simplement. Donc n'hésitez pas à télécharger le mod et tenter le grand défi, est-ce que vous allez réussir à battre Hitler ou pas. Vous pouvez même streamer votre partie, j'en mettrai peut-être quelques-unes sur Steam. Ou même, si vous voulez, ce qui pourrait être pas mal, vous faites une première partie dessus, vous vous enregistrez et je mettrai votre façon de... Bah, je mettrai le replay de votre game, c'est la toute première fois, ça pourrait être sympa et je commenterai. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Ou sinon, j'essaierai de le battre moi-même dans une prochaine vidéo ou un prochain live. Voilà, j'espère que ce mode va vous plaire, ça m'a pris énormément de temps au niveau des musiques, des scripts, tout ça, ça a été très long. Je remercie Cobra qui m'a énormément aidé, c'est mon tout premier mode, ne soyez pas trop dur. Mais s'il vous plaît, si vous trouvez qu'il y a du défi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà, c'était tout simplement le but de faire quelque chose pour vous. Où vous pouvez tout simplement jouer, parce que vous me regardez jouer à chaque fois, mais moi aussi j'ai envie de vous voir jouer, moi aussi j'ai envie de vous amuser, donc bah voilà, c'est cool de vous voir jouer, et j'espère qu'il va vous profiter. Voilà, Alphonse Hitler est là, libre à vous de l'affronter ou non, bon courage, il sera rusé, il y a même un petit easter egg dans les musiques que vous pouvez m'entendre une fois, mais voilà, je vous laisse découvrir tout ça, et je vous dis bon gameplay, bonne vidéo, bon courage, et gagnez. Arrêtez cette France de fasciste les gars, n'en pouvons plus, il faut le vaincre, il faut le ramener à la raison cet Hitler. Allez, amusez-vous bien, bonne chance avec le mode, à la prochaine les gars.